mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. En politique fédérale, je reçois le député du Bloc québécois en Abitibi-Témiscamingue, M. Sébastien Lemay. M. Sébastien, bonsoir. Bonsoir, Gabi. Toujours un plaisir de vous recevoir. On a de bonnes discussions, des discussions vives, puis on va dans le cœur du sujet. Très souvent, je ne dis pas ça parce qu'avec les autres, on y va pas, là. C'est pas ça, mais seulement qu'à dire qu'on a une complicité. Je ne vous cache pas que c'est un de mes rendez-vous préférés comme élu parce que justement, moi, j'aime être challengé. Okay. Je trouve que c'est important comme élu d'être imputable, puis l'échange qu'on a nous permet ça, j'ai le sentiment. Monsieur Sébastien, on va faire une mise au point parce que l'émission va être en onde le 5 octobre. On sait ce qui s'en vient le 3 octobre. Fait que le 5 octobre. Donc, au moment où on enregistre, c'est le 23 septembre au matin. Donc, les élections provinciales n'ont pas eu lieu encore. Mais quand l'émission va passer, l'élection provinciale sera chose du passé. Ça me rappelle le contexte l'année passée. Et voilà exactement à quoi je voulais m'en venir avec les élections fédérales. Et puis, c'est ça, fait, parce que les gens peuvent se dire, hey, comment ça se fait qu'ils ne parlent pas des élections provinciales? Mais là, à moins qu'on joue au devin, mais ce n'est pas notre rôle. Mesmer, ce n'est pas nous autres. Fait que, mais c'est pour avertir les gens qu'on aura du temps pour en reparler dans une autre émission. Fait que c'est pour dire que l'émission passe le 5 octobre, mais enregistrée le 23 septembre au matin. Monsieur Sébastien, il y a deux dossiers épineux que doit gérer Hockey Canada, soit un dossier sorti en 2003 et un dossier en 2018. Viol collectif en 2018 et une agression en 2003 par des membres d'équipe Junior Canada. Vous avez siégé sur le comité. Moi, j'aimerais que vous nous disiez quel était ce comité et quel était votre rôle à vous dans ce comité. Bien, permettez-moi de faire un peu de chronologie avant ça. Donc, les faits allégués de juin 2018 à London ont été rendus publics par le journaliste de TSN, Rick Weston. Et voilà. Et ça l'a choqué, évidemment, tout le monde. Moi, comme parlementaire, ça m'a interpellé. Ça aurait été simple que de poser deux, trois questions à la ministre puis que l'enjeu finisse un peu là. Ça aura choqué un peu les gens. Sauf que moi, j'ai voulu aller au fond des choses et j'ai convoqué Hockey Canada. Donc, la façon dont je m'y suis pris, c'est que de déposer une motion à la Chambre des communes qui était de pouvoir les faire venir devant le comité du patrimoine pour pouvoir rendre des comptes. Et cette motion-là est adoptée à l'unanimité. Donc, il y a une collaboration de l'ensemble des partis qui s'est faite là-dessus. Exactement. Ils sont venus le 20 juin dernier. Et en langage de hockey, justement, ils ont tellement été cockés. Ils ont tellement été au-dessus des gens, de la loi, de ce qui était fait, que le restant de l'été et du scandale s'en est suivi. Pour moi, c'est une culture du silence. C'est une culture dans laquelle on dit à des joueurs de hockey, des jeunes, que vous pouvez être au-dessus de la loi parce que nous, on a créé, c'est ce qu'on a découvert par nos questions, par l'approfondissement, par nos recherches, un fonds d'équité qui permet de pouvoir régler hors cours des choses sans passer par la justice. C'est totalement inacceptable. Il y a des choses, des morales de société. La culture de Hockey Canada doit changer au complet. Et c'est la prise de position que j'ai prise cet été et qui va se poursuivre encore cet automne. Donc, vous avez nommé 2003. Effectivement, c'est quelque chose qu'on a appris cet été. Voilà, on sait que cet automne, il s'en vient. Beaucoup d'enquêtes. Il y a des... les initiations sont un problème dans la culture du hockey, particulièrement par le passé. Et il y a un recours collectif mené par Danny Carcillo, un ancien joueur de hockey. Il y a beaucoup de jeunes qui sont passés dans le système de la Ligue de hockey, de la Ligue canadienne, et qui ont été traumatisés, qui ont vécu justement dans un contexte d'initiation, des humiliations, et que ça leur a affecté. Et bref, il y a une grosse poursuite qui s'en vient. Hockey Canada est conscient de ça. C'est pas rose. Loin de là, il faut changer en profondeur cette culture-là. Puis pour moi, ben, ça passe évidemment par l'ensemble des hauts dirigeants puis le conseil d'administration. Au moment où l'on se parle, on est à la fin septembre, qu'est-ce que ce comité-là, pour tout de suite, là, a donné? Qu'est-ce qu'il a donné? Donc là, je vous ai parlé de juin quand ils sont venus. À partir de là, nous,
on a demandé plusieurs documents, les PV de conseil d'administration, des éléments qui touchent des dépenses, l'enquête, si on ne l'a pas eu encore, mais l'enquête préliminaire qui avait été faite par la firme, et on les a reconvoqués à Hockey Canada. À partir de là, on a vu la ministre qui a posé un geste, celui de retirer le financement public de Hockey Canada. Ça a eu un effet boule de neige sur un ensemble de commanditaires. C'est aussi. Ça, il y a beaucoup on de commanditaires. On s'est rendu compte que le financement public, c'est pas énorme, c'est un 6 %. Mais en même temps, c'était plus que symbolique aussi. C'est là qu'on s'est rendu compte que le fonds existait, c'était pas payé avec des fonds publics, eux autres s'est défendu, mais non, c'est pas de l'argent du public, c'est notre propre fonds. Mais en même temps, on voyait bien que l'histoire tenait plus. Moi aussi, après leur première comparution, j'ai fait une deuxième motion qui a été adoptée aussi à l'unanimité, c'est de demander une enquête indépendante, approfondie sur Hockey Canada. Cette enquête-là n'a pas été faite encore. Et ça, pour moi, c'est une carte qu'on garde puis que je veux ressortir très prochainement. Je veux que la ministre s'y engage parce que encore une fois, Hockey Canada, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de mener leur propre enquête. Ils ont reconnu que leur première n'était pas assez, allée assez loin, mais parce qu'on a mis une pression politique, ils se sont excusés, ils ont voulu changer leurs mœurs, ils ont voulu changer les choses. Par contre, c'est la même gang qui protège leurs intérêts et par le sondage qu'ils ont lancé la semaine dernière, nous prouve qu'ils ne changent pas leur culture. Et c'est ça qui est problématique. Exactement, puis on va en venir à ça tantôt parce que on dirait que Hockey Canada, c'est une boule que personne n'a droit d'aller à l'intérieur. On va en parler là tantôt, mais c'est pour ça que c'est puissant. C'est très, très, très puissant. C'est de la grosse argent, voilà. C'est du pouvoir. C'est le pouvoir surtout qui est énorme avec Hockey Canada. Parce que quand on regarde ici, M. Sébastien, le présumé viol collectif par des joueurs d'équipe Canada au championnat mondial de hockey junior en 2018 avait été porté à l'attention de Sport Canada par Hockey Canada, sans que la ministre des Sports de l'époque soit mise au courant. Ça, là, déjà là, là, ça montre qu'Hockey Canada est terriblement puissant. Bien, c'est ce qu'ils nous ont fait comme témoignage en juin. C'est pour ça qu'on avait convoqué la représentante de Hockey Canada et de Sport Canada qui avait reçu cette information-là, pour mettre en lumière ce choc-là, ce scandale-là aussi, que Sport Canada a failli à son rôle de protéger l'intégrité du sport. Et ça aussi, Sport Canada va avoir une réflexion à faire pour améliorer les mœurs. Ça tombe bien, la politique du sport au Canada arrive à échéance. La ministre est à la réécrire. On s'attend à un dépôt en février. Mais c'est sur quoi il faut être vigilant. Pourquoi moi, je veux aller au bout de l'affaire de Hockey Canada? Pourquoi je veux aller au fond des choses? C'est notamment pour faire changer les mœurs. Moi, j'ai des jeunes qui sont dans le milieu sportif. J'ai un enfant qui joue au hockey. Je trouve qu'il est fondamental que le sport se fasse en toute sécurité, qu'on change la pratique du sport, qu'on puisse être dans un esprit plus éducatif, pédagogique, qu'on sort du concept dans lequel il faut juste que l'élite sorte, puis on va tellement presser le citron pour avoir l'élite qu'en bout de ligne, on écœure tout le monde. C'est les saines habitudes de vie, le sport. Il faut que les joueurs qui fassent du hockey aient le goût de le continuer à l'âge adulte, comme c'est la même chose en gymnastique, c'est la même chose dans l'ensemble des disciplines. Il y a quelque chose à assainir, et pour moi, Hockey Canada, parce que c'est puissant, parce qu'il y a du pouvoir, c'est aussi la locomotive qui va faire en sorte qu'on va changer la culture, l'approche du sport qu'on a au Québec, au Canada. Une autre preuve aussi que Hockey Canada est très, très puissant, c'est que la ministre des Sports fédérales, là, actuelle, Mme Pascale Saint-Onge, a assuré n'avoir pris connaissance des allégations de viol collectif que cette année, soit 4 ans plus tard. C'est pas normal, ça. À sa défense, Pascale Saint-Onge a été élue il y a un an, a été nommée ministre des Sports. C'est pas elle qui était là à ce moment-là. Par contre, j'ai apprécié de Pascale Saint-Onge qu'elle s'est mise en mode action, justement en demandant un audit dès qu'est arrivée la situation de l'enquête de Requested. Donc au moins, il se posait la question, est-ce qu'il y a une utilisation de fonds publics? Pour moi, ça allait pas assez loin, puis c'est pour ça que je voulais une enquête, puis j'ai demandé à Hockey Canada de venir au Parlement. Mais il y avait un geste concret qui a été là, comme un autre geste concret en suspendant le financement de Hockey Canada, le financement public qui a créé l'effet boule de neige. Et on sent sa volonté de vouloir changer les mœurs. Donc pour moi, Pascale Saint-Onge est une alliée, comme l'ensemble des partis politiques. Là, il y avait une unanimité autour de la table. Oui, exactement. Puis c'est ça
qui est important, c'est qu'il n'y a pas un parti, peu importe lequel, qui a dit, mais ça, on ne devrait pas toucher à ça. Puis non, c'est trop grave, parce qu'il faut que ça arrête. Parce que ce n'est pas d'hier que Hockey Canada a le monopole, puis sa bulle est là, puis personne ne peut rentrer dedans. Ce n'est pas d'hier, là. Ça date de quelques décennies passées. Alors, c'est pas normal, absolument pas, puis que tous les députés, les 338 députés, soient au moins d'accord tous ensemble pour ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire parce qu'il faut que ça marche de même aussi. Ça peut être un impact. Moi, je le vois comme quelque chose qui peut changer l'approche du sport, changer aussi les mœurs des relations, non seulement les relations hommes-femmes, mais les relations en général. Tu sais, il y a de l'éducation qui est à faire. Tu sais, l'expertise qu'on aurait besoin au sein d'un conseil d'administration de Hockey Canada, là, c'est plus juste un gestionnaire d'image, un gestionnaire de fonds puis de risques, etc. C'est aussi des gens de la pédagogie sur l'éducation à la fois sexuelle, l'éducation sportive, l'éducation en général. Le moment de vie d'un jeune de 20 ans n'est pas le même qu'un jeune de 16, 17 ans. Ils vont partager une chambre ensemble, tu sais. Donc, il faut être capable de s'adresser à ces joueurs-là, même les plus jeunes, pour pouvoir dire, vous avez une responsabilité, vous êtes glorifié comme joueur de hockey, mais vous avez aussi une responsabilité à porter, puis il faut aller au fond des choses pour ça. Pour moi, c'est quelque chose de très fondamental. Monsieur le maire, quand on dit que 21 victimes d'abus ont reçu 9 millions de Hockey Canada pour se fermer la boîte, comme on dit, c'est, encore là, c'est pas normal. C'est parce que cet argent-là, en majorité, c'est de l'argent de parents qui payaient pour leurs enfants et cet argent-là a servi à payer le silence de personnes abusées sexuellement. Le fond d'équité est beaucoup plus profond que ça. Et justement, avec le recours collectif Carcillo, on va voir qu'ils sont prêts à régler beaucoup plus. Reste que le principe est choquant. Le principe, c'est de voir des cotisations de parents qui ont été augmentées à travers les années pour pouvoir penser à ça. Et le principe le plus choquant, je le renomme, c'est qu'on va avoir fait un parcours parallèle pour dire parce que tu es un joueur de hockey, tu peux être au-dessus de la loi, on va te protéger, on va garder le silence. Et ça, dans notre société, c'est totalement inacceptable et ça doit changer. Parce qu'on va garder le silence parce que Hockey Canada, c'est gros, c'est une grosse business, puis il ne faut pas entacher Hockey Canada. C'est un peu pour ça aussi. Oui, tu sais, puis ça ne m'intéresse pas tant de savoir le nom des gens. Évidemment, je veux protéger l'intégrité de la victime. Oui. On a peut-être une bonne idée, mais en même temps, comme je vous dis, sauf que ces joueurs-là n'ont pas à avoir une carrière impunie parce qu'ils ont posé un geste, parce qu'ils sont dans le milieu du hockey. Ça, pour moi, c'est inacceptable. Ils doivent être responsables de leurs actes. Et si la conséquence, ça sera de suspendre ou mettre fin à une carrière, bien, il n'y avait qu'à y penser avant. Parce que ce n'est pas normal de dire, on est un joueur de hockey, on est pour, avec Hockey Canada, on est au-dessus des lois, comme on disait tantôt. Et ce n'est pas normal. Ça ne devrait pas fonctionner comme ça. T'es fautif, paye pour. Ça me semble. On va parler de Scott Smith. Oui. On a demandé sa démission. Est-ce que je sache qu'il est encore en poste? Mm-hmm. Il fait fi d'à peu près n'importe quoi. Quel est ce monsieur? Est-ce que vous le connaissez ou est-ce que vous l'avez rencontré? Est-ce qu'il a siégé avec vous autres? Oui, il était présent les deux fois. Scott Smith est dans Hockey Canada depuis 35 ans. Oui, c'était c'est le numéro 2 sur Tom Rennie. Tom Rennie a pris sa retraite au mois de juin et est devenu le PDG. C'est lui qui a répondu aux questions. C'est lui qui nous demande de lui faire confiance, qui veut changer justement la culture, qui a pris acte, etc. Sauf que ce qu'il nous a démontré depuis qu'il nous a dit ces paroles-là en juillet, je vous donne deux exemples. Un sondage qui a été distribué dans l'ensemble des fédérations pour dire, malgré ce que les médias essayent de nous dire de nous autres qu'on est des méchants, sachez qu'on travaille pour vous autres, est-ce qu'on a toujours votre appui? C'est grave. Et la deuxième des choses, on sait que l'équipe féminine de hockey était sortie pour exiger ce changement de culture-là de la part de Hockey Canada et conséquemment un changement de direction. Mais quand ils ont gagné le championnat du monde, il est allé lui-même remettre les médailles. Voilà. Donc, c'est un geste qui est, à mon sens, disgracieux, qui est très provocateur. Mais pourquoi Scott Smith fait ça? C'est qu'il sait très bien que
il doit avoir des mandats d'Assemblée générale pour renouveler à la fois son mandat et celui du conseil d'administration. S'il veut garder son contrôle, son pouvoir, il a besoin de l'appui des branches, donc les fédérations provinciales, régionales, et ça, ça s'en vient au mois de novembre. Donc, d'où l'importance pour moi de maintenir une pression en ce moment. Les prochaines semaines vont être déterminantes. On a refait des convocations au sein du comité du patrimoine pour pouvoir faire la lumière, parce qu'on a encore beaucoup de questions sur le fonctionnement d'Hockey Canada, notamment des éléments fiscaux qui sont intéressants à mettre en lumière. Et c'est ce qui va s'en venir dans les prochaines semaines. Mais le prochain rendez-vous, pour moi, c'est le mois de novembre. C'est ce que les fédérations vont déterminer. Les fédérations n'ont pas donné leur appui à M. Brind'Amour, qui était président du conseil d'administration, et il a démissionné. Donc, on sait qu'il y a quand même un impact. Ils l'ont remplacé par Mme Skinner, qui était déjà au conseil d'administration, qui était la responsable du comité de la gestion des risques. Donc, c'est elle qui a cautionné, après ma barre, la stratégie de dire, ou l'approche, « Ah oui, on va prendre de l'argent du fonds d'équité, puis on va régler à l'amiable, même si notre enquête n'avait pas permis de déterminer qu'il y avait 8 joueurs, que c'était vraiment nous autres, etc. On s'en fout, on paye. » C'est ça, exactement. Parce que vous avez un peu devancé une question, mais je vais revenir pareil dessus. C'est quand on dit, et ça, c'est un journaliste qui l'a dit, ce n'est pas moi, le bout du bout, comme on dit. Le PDG, Scott Smith, a eu le front d'aller remettre les médailles d'or aux filles de l'équipe canadienne qui ont remporté le championnat mondial de hockey féminin au Danemark. On n'appelle pas ça de l'arrogance, mais de la dictature. Non, c'est inacceptable. C'est inacceptable et ça témoigne cette culture-là de la pogne, du silence, de la peur, de la pression. Et c'est ça qu'il faut complètement sortir. Donc, il a failli à sa propre parole de dire « je suis l'homme de la situation » pour changer la culture. Mais il faut avoir un front de bœuf. Excusez-le, mais il faut avoir un front de bœuf pour se présenter devant ces filles-là. C'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. Tu sais, je comprends que le championnat junior qui avait lieu cet été était déjà prévu. On oui, devait oh oui, le tenir. Oui, oh oui. Et la réponse des gens a été quand même là. Ils ont eu de la misère à vendre des billets, là. On ne se cachera pas que ça n'a pas été un grand succès. Non. L'événement a été sauvé par un geste héroïque sur la glace de leur capitaine McTavish, qui a fait en sorte que le Canada a gagné, tant mieux. Mais reste que Hockey Canada, c'est aussi le développement de nos jeunes, de nos enfants. On gravite autour de ça. C'est l'image internationale du Canada dans un sport qui est notre sport national. Et des gestes comme ceux-là sont totalement inacceptables. Et peut-être que ce qu'on sait, c'est la pointe de l'iceberg, parce que je veux juste revenir un peu sur leur témoignage. Quand on leur a posé comme question, combien qu'il y en a des cas de plainte d'agression sexuelle? Et on nous a répondu, bah, peut-être quoi, un ou deux par année. Ils ont banalisé ça. Et c'est ça qui a choqué. Ils ont créé leur propre déjà. Scandale. Voilà. Parce qu'ils auraient pu dire, agir avec responsabilité au mois de juin. Ils ne l'ont pas fait. Ça a fait en sorte qu'on les a reconvoqués en juillet. Puis qu'on est allé au fond des choses. Puis qu'on se rend compte que, Colin, la gangrène est profonde. Là. Une dernière question sur ça, M. Lemire. La suite de ça, là, à partir d'aujourd'hui, là, on est à la fin septembre. Quelle est la suite là, de ce dossier-là? Bien, comme je vous disais tantôt, il y aura probablement au moins 3 rencontres du comité du patrimoine avec des représentants de Hockey Canada ou des gens qui ont évolué autour pour tenter d'en savoir davantage, d'approfondir cet élément-là. Il y a le mois de novembre qui va être le conseil d'administration des différentes branches qui, pour moi, est le moment clé. Il y a au mois de février, probablement, en tout cas l'année prochaine, le dépôt d'une nouvelle politique nationale du sport, de l'ensemble des sports, parce qu'on s'entend, on a vécu ça à Hockey Canada, oh, on a compris la gymnastique, le soccer, etc. On se rappelle le ski alpin et tout. Et pour moi, c'est juste que l'objectif à long terme, c'est de changer les mœurs dans la culture du sport pour s'assurer que le sport soit sain et sécuritaire pour l'ensemble des athlètes. Juste une autre question. Est-ce qu'il y aura enfin une purge? Dans le comité, dans le bureau de direction. Bien, est-ce que c'est notre pouvoir qu'on a comme Parlement? Ça, j'aimerais ça le démontrer. Mais reste que, pour moi, il va falloir aller au bout des choses. Moi, j'exclus aucun élément. Notamment, on a déposé une motion au Parlement, je l'ai déjà déposée, elle est adoptée le 22 juin. Une commission d'enquête indépendante, une véritable commission d'enquête indépendante. Ce que j'ai en tête en ce moment, qu'est-ce qu'on a fait quand Ben Johnson a eu son scandale de dopage dans les années 80 pour assainir les mœurs, le sport, l'image du Canada? C'est peut-être là qu'on aura à se rendre. Puis il y a une véritable cour de justice qui se prépare là-dessus. Que moi, justice je pense qu'il faut ménager aucun effort pour s'assurer de donner ses lettres de noblesse au sport puis s'assurer que personne ne soit au-dessus de la loi.
On va suivre ce dossier-là. Moi, je le suis de très, très près également par les journaux et par la presse parlée et écrite. Et puis, on va sûrement s'en reparler parce que ce n'est pas la fin aujourd'hui, là, et loin de là. Ah, regarde, je suis déterminé à aller au bout de ça. Et félicitations également parce que je sais que vous tenez beaucoup à ce que... est-ce que toute la vérité sort? Et puis, c'est tout en votre honneur, M. le maire. On va parler de M. Pierre Poilievre. Est-ce que vous connaissez M. Pierre Poilievre? Au pays, 330 comtés sur 338 ont approuvé sa venue comme chef du Parti conservateur. Et où ça fait mal, c'est 72 sur 78 au Québec. Au pays, 68% contre 16%. Et quand je dis où ça fait mal au Québec, c'est que le principal adversaire de M. Poilievre, on sait c'était qui? Jean Charest, un Québécois pur laine, puis est allé chercher juste 6 comtés. C'est une défaite vraiment crève-cœur pour M. Charest. Je commenterai pas tant la campagne de Charest. Je pense que c'est un mauvais calcul politique. Je peut difficilement concevoir qu'il pensait avoir une chance réellement de gagner cette élection-là. Le système de votation des conservateurs avait changé aussi depuis l'élection d'Erin O'Toole. Je pense qu'il aurait été beaucoup plus facile pour Jean Charest de gagner une élection pour devenir premier ministre que pour devenir chef des conservateurs. Il a choisi ce véhicule-là. Mm-hmm. On sait qu'il a déjà été chef du Parti progressiste conservateur à l'époque, mais ce parti-là a changé énormément. Et le résultat est là aussi. Pierre Poilievre, j'ai eu la chance de le côtoyer. Ça a été mon co-vice-président au comité de l'industrie l'année dernière. J'ai eu un bon rapport avec lui. C'est quelqu'un de très intelligent, très charismatique, qui a un sens de la clip, qui est efficace, mais qui peut être très dangereux, qui a des valeurs portées très différentes des miennes. En Chambre des communes, on était capable parfois de trouver des terrains d'entente. Je pense que le rôle que le gouvernement central doit être limité au pouvoir de la Constitution, puis de faire en sorte que les provinces soient les plus, soient celles qui dirigent le Canada. Je pense qu'il y a des éléments sur lesquels, tant qu'être encore dans le Canada, tant que le Québec ne sera pas encore souverain, il y a des éléments sur lesquels on peut s'entendre peut-être un peu plus. Mais dans l'ensemble, Pierre Poilievre porte des valeurs qui, à mon sens, sont très républicaines. Il a fait un type de campagne très républicain, un peu à la Trump, là. Des thèmes comme l'inflation est un thème qui est préoccupant, mais de la façon dont il le traite, il est déconnecté. On le prénommait Trump numéro 2 à un certain moment donné. C'est, ce n'est pas pour rien. Sur les questions environnementales, sur les questions... Justement, on va en venir à ça, M. Lemire. Est-ce que la venue de M. Poilievre, parce qu'il peut devenir premier ministre, là, il est en poste pour ça. Là. OK, bon. Alors, est-ce que sa venue fait peur? Quand on parle qu'il appuie GNL Québec, il a appuyé la manifestation à Ottawa l'hiver dernier. Il est contre la Banque du Canada. Mm-hmm. C'est dangereux, puis, ça. Il veut un pays le plus libre au monde. Ça, là, je m'excuse, je serais pas supposé émettre des opinions personnelles durant mon émission, mais est-ce que, je vous glisse cette question-là, est-ce que juste ça, ça fait peur? Bien, c'est des valeurs qui sont pas les miennes. Tu sais, être libre, en principe, tout le monde est pour la liberté. C'est de quelle façon tu appelles ta liberté? Évidemment, est-ce que chez nous, on peut être plus libre que ça? La liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Puis on sait dans quel contexte s'est créé le mot liberté. C'est dans le contexte d'une pandémie. Bien, être libre, ça veut pas dire de pas prendre ses responsabilités. Être libre, ça veut dire aussi, moi je crois dans le principe dans lequel chacun, l'égalité des chances, c'est de l'accès à des services publics. Si d'être libre, ça veut dire d'avoir un État qui est plus capable d'offrir des services. On l'a vu cet été, là, c'est au printemps, là, avec Passeport Canada et toutes les arrérages qu'on a au niveau de l'immigration, comment qu'on n'est pas capable à peu près de faire rien avancer au niveau fédéral parce que ça fonctionne pas. C'est quoi? Où va être la liberté là-dedans? Ça me questionne énormément. Bref, je ne partage pas les valeurs de Pierre Poilievre. Je ne pense pas que ce sont des valeurs qui sont partagées en Abitibi-Témiscamingue non plus, ni au Québec. Je pense que si Pierre Poilievre devient
premier ministre du Canada, ça va être à l'image de Stephen Harper, ça va être sans le Québec. Et rendu là, ben, les Canadiens feront leur choix et on aura peut-être à faire le nôtre. Là. Mais sans le Québec, il ne faut quand même pas qu'il oublie que 72 comtés l'ont appuyé. Ça, c'est beaucoup, là. Et quelque chose qui en dit peut-être long sur la culture du Parti conservateur sur Pierre Poilievre, il y a quand même un député du Parti conservateur qui a démissionné, Alain Raïez, député de Richmond-Athabasca. Et quelle a été la réaction? Ça a été d'envoyer des messages textes à ces militants conservateurs-là pour dire « Appelez votre bureau de député pour lui demander de démissionner ». C'est affreux, là. Ça, c'est terrible. C'est de l'intimidation. C'est bully, là. Comme façon de faire, est-ce que c'est ça qui va être la façon de faire l'image de marque de Pierre Poilievre comme chef du Parti conservateur? On le voit déjà à la période des questions. En même temps, ce qui est spécial, c'est qu'on dirait que ça redonne vie à Justin Trudeau, là. Justin Trudeau, le coup, la première face-à-face qu'il y a eu en chambre, ça a brassé. Puis moi, j'ai senti, est-ce que je l'ai pris, j'ai senti Justin Trudeau être beaucoup plus agressif que devant M. Erin O'Toole. Parce que là, il était après se fâcher. Puis je pense qu'il va y avoir des bons débats, mais jusqu'à quel point ça va être acquis, ça va être au peuple à juger là, à ce moment-là. Absolument. Puis là, reste à voir. T'sais, moi, l'entente avec le NPD, j'y ai jamais vraiment cru. Je fais un an qu'on a été réélu. Je tiens à remercier encore une fois la population d'Abitibi-Témiscamingue, particulièrement celle d'Abitibi-Ouest. Ça fait un an cette semaine. Mais je souhaite aller au bout de ces 4 ans-là, évidemment. Mais dans quel contexte ça va être particulier à suivre. C'est sûr que j'ai peu d'attentes. Le climat hier, je remplaçais au comité des ressources naturelles. Les conservateurs ont fait de l'opposition niaiseuse pour pas faire entendre des témoins. On parle pas d'un projet de loi, on parle pas d'un budget, de sauver le gouvernement, là. On parle d'une étude en comité. Est-ce qu'on écoute ou non des témoins, là? Fait qu'à quel point on va être dans ces types de batailles là, dans lesquelles on prive le Parlement de faire ses travaux, ça risque de faire partie aussi de l'image de marque de Poilievre. Et ça, pour moi, c'est une très, très mauvaise nouvelle. Un autre sujet, mais ce matin-là, je vais vous demander de répondre quasiment juste par un oui ou par un non, parce que le temps file beaucoup, beaucoup. Est-il temps de mettre fin à la monarchie, profiter du règne de transition du roi Charles III, parce qu'il est en transition, ça, on le sait? Oui. Est-ce que c'est le temps? Oui. Tu m'as posé la bonne question. Tu m'as posé la bonne question pour pouvoir te répondre juste oui ou non. Oui, absolument. Je veux dire, je pense qu'il y avait un respect à porter par rapport à l'ensemble du règne d'Élisabeth II. Je pense que les gens pouvaient être attachés à elle. Mais en même temps, moi, c'est pas vrai que je considère qu'il y a un roi en Angleterre qui a plus de pouvoir sur notre vie et qu'on doit lui prêter allégeance. Je veux dire, j'ai scrappé ma première, malheureusement, mais bon, j'ai dû prêter allégeance 3 fois plutôt que 2. Parce que pour moi, c'est inacceptable, ça. J'avais un malaise profond à le faire. Je l'ai encore, ce malaise-là. Qui nos lois doivent être sanctionnées. Qu'est-ce qui va arriver si nos réflexions sont différentes? Est-ce que l'Angleterre peut décider de dire non, on reconnaît pas la légitimité de votre loi? C'est ça que ça fait, une monarchie constitutionnelle. J'avais une autre question pour ça, Miss Mac. On peut pas répondre par oui ou par non, puis il ne reste presque plus de temps. Fait que je vais la garder pour une autre entrevue. Mais juste très vite. Mais je veux dire que ça s'en vient quand même. On va faire le débat cet automne. Très vite, parce qu'il reste une minute seulement. Hausse la pension de sécurité de la vieillesse de 10 % mais à 75 ans seulement. Donc, les 65 à 74 ans, eux autres, ils n'ont pas de besoin. C'est inacceptable. C'est inacceptable, mais quelque chose que je trouve intéressant dans la campagne électorale provinciale, enfin, on parle d'augmenter le pouvoir d'achat des aînés. On souhaite que le gouvernement fédéral fasse la même chose. Et moi, on a fait 2 campagnes électorales là-dessus. Nos votes, on a toujours voté contre les budgets depuis que j'ai été élu, parce qu'on trouve que les libéraux n'agissent pas en santé et pour les aînés. Monsieur Lemire, toujours plaisir de vous recevoir. On aurait eu d'autres questions, mais seulement je vais les garder pour une prochaine entrevue. Puis, dans la prochaine entrevue aussi, bien là, on parlera un peu du Québec parce que les élections seront passées à ce moment-là. Fait qu'on va voir ce que vous, avec votre avec le Bloc, allez donner vos impressions puis comment vous allez faire face à la nouvelle élection du provincial le 3 octobre prochain. Avec grand plaisir. Ça sera toujours un plaisir. Merci beaucoup, M. Lemire. Toujours agréable de vous recevoir. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendez-vous à une prochaine émission. On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.